lisons dans le livre des psaumes au chapitre 84, psaume chapitre 84, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Exalte l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exalte l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. Notre Dieu, nous sommes vraiment dans la joie et reconnaissons encore ce soir de pouvoir nous retrouver dans le lieu que tu nous as donné la grâce de pouvoir nous rassembler avec ton peuple, Père. Béni soit ton Saint-Nom, mon Sauveur, béni pour les chants et les cantiques, pour la consolation du cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour les prières que toi tu exauces, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour l'amour que toi tu déploies dans notre cœur, parce que sans toi nous ne pouvons jamais arriver à pouvoir même nous aimer, bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, tu nous apprends à pouvoir te prier, nous apprends à pouvoir, Père du Puissant, aussi aimer, Seigneur Jésus. Nous ne vivons que pour toi, c'est par ta grâce, mon bien-aimé Seigneur et Sauveur. Merci pour la présence de mon frère, pour la présence de ma soeur, mon roi. Merci aussi pour la bonne santé que tu lui accordes. Nous te remercions, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ce que toi tu fais au milieu de nos pères. Louange et honneur à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es vraiment digne d'être aimé, sauveur béni, d'être adoré, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Toi, tu ne te lasses point de nous pardonner. Tu ne laisses pas de nous conduire encore davantage
davantage, mon roi. Tu es toujours présent, mon Seigneur. Aide-nous à être semblables vraiment à toi, Seigneur. À t'aimer aussi en retour comme tu nous aimes, Seigneur Jésus. Nous accrocher aussi à toi, au Père du Saint Dieu, comme toi tu nous conduis davantage, mon roi. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour à notre endroit. Merci aussi pour nos frères et sœurs, pour ce que tu fais aussi dans leur vie, dans leur marche, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu es vraiment un secours vraiment précieux pour nous, un appui, bien-aimé Père du Saint-Dieu. Lorsqu'on invoque ton nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu nous viens en secours, mon Seigneur. Merci pour nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur Jésus. Tu consoles le cœur, Père du Saint-Dieu, de chacun. Oh Dieu, en nous donnant encore des enfants, encore aujourd'hui, nous te disons merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait. Merci encore pour ce que tu feras encore davantage, mon roi, parce que nous attendons de ta part toujours des grandes choses et des merveilleuses choses, mon roi. Loué soit ton Saint-Nom, Père Saint-Dieu, toi qui défends ton peuple, mon Seigneur béni. À toi la gloire et l'honneur, la puissance et la victoire. Tu agiras encore davantage, mon roi. Tu nous soutiens, Père Tibissant, nous soutiendras encore davantage, mon roi. Ô Saint d'Israël, si toi tu nous as abandonnés, Seigneur, ô Dieu, qu'est-ce que nous serons devenus, Père Saint-Dieu? Ce monde n'est pas notre place, mon roi. Nous sommes à toi, mon bien-aimé Père. C'est pourquoi nous t'apportons tout ce que nous avons, nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur Jésus. Tout ce que tu nous as donné, bien-aimé Père Saint-Dieu, Seigneur, nous te les apportons, mon bien-aimé, que tu puisses encore agir. Merci, parce que sous tes ailes à toi, nous trouvons un abri sûr et certain, Seigneur Dieu. Et les nôtres sont vraiment protégés par toi. Ton nom est une tour forte, Seigneur. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté avec tout ce qu'il est, mon Sauveur bien-aimé. Tu es le toit brillant du matin, Seigneur. Le consolateur des affligés, Seigneur. Celui qui se tient toujours, Père du Saint, avec nous, mon bien-aimé, Père du Saint. Quand on nous accable, mon roi, tu nous délivres, mon bien-aimé, Seigneur Dieu. Quand nous sommes égarés, Seigneur, tu es l'étoile brillante du matin, Seigneur, qui nous éclaire, mon roi. Sois béni, sois adoré. Merci encore pour tes merveilles, Seigneur. Tu es vraiment digne d'être loué, Seigneur Jésus. Et tu es aussi le plus beau parmi les milliers, Seigneur, le seul et le digne, Seigneur Jésus. Oh, qui mérite la gloire, le respect, la considération, sois béni, oh Dieu, la gloire et l'honneur, parce que tout te revient, Seigneur Jésus. Ah, tu en es vraiment, Père Tubissant, l'héritier de tout, Seigneur. Nous sommes à toi, mon bien-aimé, Père Tubissant. Oh Dieu, nous faisons partie de ton troupeau, Père Tubissant, Dieu, de ton pâturage à toi. Père Tubissant, tu nous conduis encore, parce que tu es vraiment notre Dieu, et tu nous as vraiment choisis et mis à part. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les chants et les cantiques. Merci pour les psaumes. Merci pour tes enfants qui t'ont chanté, qui t'ont glorifié. Merci réellement pour les cris du cœur qui montent encore en ces jours et en ces temps. Sois béni. Nous t'aimons, notre Dieu. Nous t'exprimons notre amour encore davantage, mon Seigneur. Sois exalté, et sois béni et sois glorifié. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Pour toute l'éternité, Seigneur Jésus, que tu sois aimé de tout le cœur, mon roi, parce que tu le mérites, Seigneur Jésus, d'être aimé, Seigneur. Merci, oui, Père, tu es digne de recevoir cet honneur, mon Sauveur, cette louange, mon roi. Oui, Père, tu n'as point d'égal, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu n'en as point, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu n'en auras jamais, mon bien-aimé Seigneur, parce qu'aucun ne peut être comme toi, tu l'es, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es vraiment le Dieu merveilleux. Au-delà de la perfection, Seigneur Jésus, tu te trouves, mon bien-aimé Père Saint-Seigneur. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Tu es plus excellent que l'excellence, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Béni sois-tu, mon roi. Louange et honneur à toi. C'est pour ça, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te louer, Père Saint-Dieu. La langue des hommes n'a pas le vocabulaire qu'il faut, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour t'exprimer ce que tu es, ce que nous ressentons à ton endroit, mon sauveur. Merci pour ta patience aussi à notre endroit. Merci parce que réellement tu es patient, Seigneur Jésus, dans nos afflictions, dans nos manquements, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as toujours été là pour pouvoir réellement aussi agir, mon Sauveur. Nous te disons merci. Grand roi, le Seigneur des Seigneurs. Oh Dieu, le Dieu très haut, Seigneur. Tu es vraiment le Tout-Puissant, mon Seigneur, bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur. Loué soit ton Saint-Nom. Oui, Père, tu as déployé les cieux et la terre. Seigneur, qui peut être comparé à toi?
il n'y en a point, mon Sauveur. Nous sommes heureux de pouvoir réellement t'avoir, Sauveur. Et nous nous réjouissons de tes grandes compassions, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es vraiment l'alpha et l'oméga, mon Sauveur. Nous croyons en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous savons qui tu es, Seigneur. Parce qu'avec toi, nous savons, Père Tout-Puissant, que nous ferons des exploits. Et nous le faisons aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur Jésus, Zacharie était avancé en âge. Élisabeth demain, Père Tout-Puissant Dieu, mais tu es descendu, tu leur as donné un enfant, Sauveur. Oh, tout est possible, Père Tout-Puissant. Avec toi, tu fais de merveilles, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, mon roi. Merci pour ton nom, Seigneur Dieu, qui est élevé, qui est au-dessus de tout nom, mon Sauveur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Tu es celui qui console encore nos cœurs, Seigneur Jésus, qui apaise nos âmes, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Quand nous sommes troublés, Seigneur, tu es notre paix. Oui, mon Sauveur, louange et honneur à toi, parce que tu es vraiment vivant. Merci vraiment, Père Dieu. Tu es notre paix, Seigneur. Tu es notre assurance, mon roi. Tu es notre guide, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, c'est toi qui apaises les tempêtes, mon bien-aimé Père Tout-Puissant-Dieu. Oh, Jésus-Christ, mon roi, tu es vraiment parfait, Sauveur. Le consolateur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. La joie de notre cœur, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Le Dieu de bonté, Seigneur, oh Dieu. Merci. Comme l'avons entendu les psaumes, Père Tout-Puissant-Dieu, nous trouvons dans le cœur les chemins tout tracés, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, mon roi, béni soit ton Saint-Nom. Nous chantons ta gloire, nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous ne vivrons que pour te servir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour te louer, pour te chanter, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, pour te dire combien tu es merveilleux, Seigneur. Oh, l'œuvre de Golgotha est tellement si grand, mon roi. C'est là que tu as payé le prix, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es monté, Seigneur. Merci pour cela, mon Sauveur béni. Et merci aussi, Père. Merci, Sauveur. Oui, Père Saint-Dieu, gloire à toi. Et tu es allé nous préparer nos places. Et nous sommes heureux de pouvoir avoir un Sauveur comme toi. Oui, Maître béni. Ne regarde pas nos incapacités, Seigneur Jésus, mais regarde ce que tu as fait, Père Tout-Puissant-Dieu, pour chacun de nous, pour que nous puissions être capables, Père Saint-Dieu, de pouvoir accomplir ce que toi tu es. Donne-nous cela, Père, tu l'as fait, Seigneur Dieu. Pardonne-nous encore, mon roi. Nous sommes heureux de pouvoir réellement marcher avec toi, mon Sauveur, sur cette terre des hommes, mon Sauveur. Sois béni, Père Dieu. Tu nous as donné les lignes de conduite, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons pas aller au-delà de ce que tu nous as donné, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ce que toi nous as réellement donné, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Et fais-nous grâce, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, pour fructifier ce que toi tu nous as donné, Seigneur. Louange et honneur à toi. Béni soit ton Saint-Nom. À toi la gloire. L'honneur, la puissance et la victoire. Nous rendons gloire à ton Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci, mon Sauveur. Du fond de notre cœur, nous te disons merci. Merci vraiment, Père Saint-Dieu, parce que tu nous as vraiment délivrés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as vraiment fait des grandes choses, mon roi. Nous sommes un peuple libre, Père Dieu, et dans la joie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et tu nous soutiens, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour ce que tu fais, Seigneur Dieu, pour nos frères, nos soeurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, que tu ramènes, que tu donnes encore davantage, que tu raffermis, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes heureux. Sois béni, sois glorifié dans le nom et précieux, merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, il est digne d'être glorifié. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie. Vous pouvez vous asseoir. À lui donc soit la gloire et l'honneur encore et pour ce qu'il est pour nous et pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera encore. Le Seigneur vous bénisse. Il n'oublie pas tout ce que vous faites. Et chaque chose que vous faites, tant petite soit, tel, effectivement, si le Seigneur voit. Et vous aurez la récompense, effectivement, à tout ce que vous faites. C'est pour ça, quand nous le faisons, nous devons le faire de tout notre cœur. Parce que nous trouvons que c'est la chose juste à faire pour Dieu. Parce qu'il mérite, en fait, ce que... Et souvent, comme nous le disons, la langue des hommes n'a pas assez de mots. Pour lui exprimer ce que le vocabulaire est tellement limité.
à ce qu'il est au-delà du vocabulaire des êtres humains. Nous prions qu'il nous aide encore davantage, afin que nous puissions vraiment nous accrocher à lui et le servir encore pour qu'il se réjouisse quand il nous regarde et qu'il voit notre adoration, notre empressement dans les chants, dans les cantiques et nos prières aussi. Quand nous le prions, nous savons qu'il est pour nous, nous le connaissons. Nous n'invoquons pas un Dieu étranger. Nous avons une confiance absolue en lui, effectivement. Peu importe ce que le monde peut penser de nous, et peu importe ce que le monde peut dire de nous, nous, nous savons qui nous sommes. Et c'est vrai, c'est ce que l'apôtre Jean disait, même si le monde ne nous connaît pas, nous savons exactement ce que nous sommes, parce que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et nous le remercions de nous avoir vraiment engendrés, et là aussi, il nous a donné aussi cette nature divine, portion de Dieu, effectivement, dans l'être humain. Nous lui disons merci pour son amour et la manière dont il conduit effectivement aussi chacun, parce que je suis consolé quand j'entends aussi les témoignages aussi qui viennent de loin comme de près. Et tout à l'heure aussi, j'étais dans mon bureau et j'étais avec Glory. Alors j'étais vraiment touché. C'est cela qui réjouit nos cœurs en fait. De voir que nos enfants, et dans leur jeune âge effectivement, ils écoutent vraiment la parole de Dieu. Et d'une manière tellement attentive, effectivement, que, alors que quand ils vous posent des questions, ce sont des questions vraiment à leur âge. Tu dis, Seigneur, c'est extraordinaire ce qu'ils écoutent. Et la question de notre sœur Anne-Laure, effectivement, même là, à l'étranger, on m'appelle. Il dit, mais c'est quand même extraordinaire. Et je me souviens, c'est notre sœur Brigitte Ndo qui me dit que, mais ses enfants, mais Anne-Laure, on la connaît petite. Anne-Laure aujourd'hui pose des questions, on comprend, on dit, mais c'est quand même extraordinaire, bien formulé, bien pensé, que Dieu te bénisse. Je prie pour que tu sois toujours accroché comme ça. Et c'est une grâce de Dieu de pouvoir, c'est une consolation parce qu'on voit que nos enfants écoutent la parole de Dieu et s'y accrochent effectivement, ils veulent voir effectivement et comprendre les choses parce que c'est comme cela que nous devons arriver à pouvoir aussi marcher avec les seigneurs. Lorsque on ne comprend pas tellement bien quelque chose, alors on doit poser des questions. C'est pour ça que quand les disciples posaient des questions au Seigneur, dites-nous quand sera-t-il, quand sera-t-il, vous vous souvenez, non? C'est à partir de ces questions-là que nous avons maintenant eu cette grâce de connaître maintenant les événements. S'ils n'avaient pas posé la question, ben on n'aurait pas probablement pas su. C'est là aussi comment les choses seraient et comment serait la fin. Dieu est bon. Hein. Donc c'est toujours merveilleux. C'est parce qu'ils étaient vraiment très attentifs. Et parce qu'ils se rendaient compte qu'effectivement que le Seigneur ne parlait pas pour parler en fait. Il ne parlait pas pour rien, mais quand il parle effectivement, parce qu'il dit mais il ne restera pas pierre sur pierre ici qu'il ne soit renversé. Ils auraient pu dire ah bon ça sera comme ça. Mais ils disent non, s'il a dit ça, mais nous voulons savoir comment c'est toujours Dieu en fait. Puis on a donc les développements de ce que cela est. Nous remercions le Seigneur parce que nous sommes dans le temps où Dieu s'ouvre encore davantage pour nous. Pour que la parole de Dieu maintenant puisse prendre une grande place dans notre vie. Souvenez-vous, et cela est toujours très important que vous puissiez comprendre cela, c'est vraiment important. Dans le livre des Actes, effectivement, au chapitre 3, nous avons lu cela il y a longtemps, mais nous pouvons juste le lire en fait pour rafraîchir la mémoire, que vous compreniez. Parce que c'est quand c'est passé avec l'apôtre Pierre et aussi Jean, donc quand ils allaient donc à la prière, vous vous souvenez, à la porte, la belle, effectivement, avec cet important, et qui était de naissance boiteux, effectivement, et lorsque il leur a demandé l'aumône, effectivement, vous vous souvenez. Alors, ils lui ont dit, fixez-nous des regards, effectivement, et dit, nous n'avons rien, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, c'est cela que nous voulons tout savoir. Ce que nous avons, nous te le donnons aussi. Donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et c'est ainsi que quand il s'éleva et marcha, toute la ville était vraiment émue de pouvoir voir, effectivement, mais c'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé, parce que Dieu, quand il fait quelque chose, ce n'est pas pour faire la publicité de quelqu'un. Oui, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est que
Il veut que tout le regard soit tourné vers lui. C'est ça qu'on ne comprend pas, beaucoup ne comprennent pas très bien en fait. Tout ce que Dieu fait et tout ce que nous devons faire pour Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être instruits par Dieu en fait. Que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il nous fait faire, c'est pour qu'en fait que la gloire lui revienne et que tous ceux qui sont à lui reconnaissent que c'est lui qui fait. Oui, parce qu'en dehors de lui, rien ne peut être fait. Mais Satan, il veut aveugler les gens. C'est pour ça que vous remarquerez très bien qu'il a voulu que cette personne-là soit impotente de naissance. Il lui a placé, effectivement, à cet endroit en public pour que tout le monde voie un témoignage. Afin que personne ne dise, je n'avais pas vu, non, à cet endroit-là. Il a voulu aussi qu'à cette heure-là, Pierre et Jean, effectivement, qui étaient préparés par Dieu, qui montent à ce moment-là. Le Saint-Esprit les a remplis, effectivement, aussi, qu'il pose cet acte-là, pour que ce soit un témoignage. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, dans ce livre, effectivement, dans les actes au chapitre 3, nous pouvons les lire comme ça, vous allez voir, effectivement, ce qui, en fait, que nous puissions comprendre cela. Regardez, en réalité, comment est-ce que les choses se sont passées à ce moment-là. Regardez très bien. Peut-être qu'on va le lire, il est déjà 20h30, on va quand même le lire, hein. Et nous pouvons quand même commencer à partir du verset 1. Puis, alors vous allez comprendre maintenant cela. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière et c'était la 9e heure. Vous voyez que les apôtres et tous ceux qui connaissent le Seigneur, ils aiment la prière. Le Seigneur aime quand on le prie. Oui, mon frère. C'est ces moyens par lesquels, effectivement, nous entrons en communion avec lui. Où vous entrez dans cette intimité, vous lui parlez, en fait. J'ai entendu un témoignage qui, c'était un frère, je crois, c'est Muir, je pense, comme ça, c'était vivre en Angleterre, je pense. Son témoignage m'a touché parce que il aimait tellement le Seigneur qu'il priait, qu'il lisait la parole de Dieu. Donc, c'était vraiment, alors un jour, la reine de l'Angleterre, je crois que c'était l'Angleterre, la reine a quitté là-bas à cette époque où il était là-bas. Donc, elle a quitté pour venir, effectivement, il tenait un orphelinat. Et pour venir dans cet orphelinat, pour pouvoir donc rencontrer donc le frère. Et alors, il y avait donc une des servantes qui est allée maintenant pour pouvoir, elle a fait donc rentrer la reine, elle s'assise. Et puis, il est allé pour maintenant pour frapper à la porte pour demander au frère Müller de venir, effectivement, parce que la reine est venue. Alors, vous savez, quand une reine ou un roi vient, c'est l'empressement, on vient vite, effectivement. Alors, ce qui est frappant, c'est que le frère répond donc à la servante, donc la sœur qui travaillait là, effectivement, aussi. Il dit que, parce qu'il dit, mais oui, mais la reine est là, elle veut vous voir, effectivement. Et il dit, va dire à la reine que je suis occupé avec le roi des rois. Parce qu'il était occupé de pouvoir prier. Il dit qu'aujourd'hui, je ne peux pas recevoir la reine parce que je suis... Oui, c'est pas une histoire. Hein. C'est pas une histoire. En fait, il était respecté par sa façon d'être avec Dieu. Et quand on a dit ça à la reine, effectivement, ben, je crois que la reine ne s'était peut-être pas offusquée, mais ils sont partis. Parce qu'il a compris, effectivement, que cet homme... c'est vrai, il a quand même raison. Tu es occupé avec le roi des rois. Alors tu vois qu'il s'appelle la reine qui vient. Alors tu es occupé avec ce roi des rois. Tu veux abandonner le roi des rois pour aller s'occuper de ça. Donc il faut venir au moment où je ne suis pas occupé avec les rois des rois. C'est pour vous donner cet exemple. Pour que vous puissiez comprendre que la prière est importante. C'est pour ça qu'il s'est consacré à cela et trouvé que c'était important d'abord de pouvoir terminer ma prière avec Dieu. La conversation avec ses dieux. Alors, si elle a le temps de voir patienter, elle peut patienter, je peux le recevoir après. Ça nous apprend aussi. Souvent, quand nous mettons à prier, les téléphones sonnent et on coupe vite la prière, on va vite prendre le téléphone. Alors que parfois, c'est la personne qui t'appelle et vous dit, les chaussures, là, tu as encore les chaussures. Alors que tu étais dans la prière avec Dieu et il va te parler des banalités. Donc, pour un enfant de Dieu, un croyant, ce n'est pas une obligation, mais ça fait partie de la vie d'un croyant. Un fils de Dieu, une fille de Dieu doit aimer la prière. Ce ne doit pas être un ennui. Et puis, frères et sœurs, on ne priera jamais assez.
Non. On va dire, oui, j'ai gêné aujourd'hui, j'ai prié beaucoup, je vais prendre du repos, je vais prendre du repos pour ne plus prier pendant une semaine. Non. Tu peux gêner et prier même 24 heures sur 24, gloire à Dieu. Je voudrais tant que ça se fasse comme ça. Parce que nous savons que nos frères qui nous ont précédés, effectivement, étaient avant nous. Mais combien de temps ils priaient Dieu, ils restaient toute la nuit entière. Il n'avait pas besoin que tout le monde sache qu'il était en train de prier. C'était sa communion avec Dieu, le plaisir, parce que, frères et sœurs, même si on reste à genoux pendant 24 heures, ce n'est pas assez. Oui, parce que, je ne sais pas, moi, je dis, mais notre intérieur à nous, il s'est dit comme c'est pas assez. Mais évidemment, il faut quand même se lever pour aller. Mais après, on sent quand même que je dois encore prier. J'ai prié, j'ai été là-dedans, mais déjà, quand vous entrez dans cette atmosphère, vous vous sentez tellement si bien. C'est pour ça qu'il faut que vous reveniez. On doit revenir à la prière. On était tout le temps des gens qui se plaignaient, tout le temps des plaintifs. Laissons les plaintes là. Reprenons la prière, effectivement. Alors, vous verrez que plus on prie, plus on parle avec Dieu. Vous n'aurez plus de problèmes à vous tracasser, à ceci, à regarder celui-là. Tu n'as même pas pensé à quoi que ce soit de mal de l'un comme de l'autre. Même de toi-même, même quand tu n'es pas bien, tu dis, mais Seigneur, je sais que tu fais... Parce que tu réalises la capacité de ce Dieu, la puissance de ce Dieu. C'est vrai, la grandeur de ce Dieu, la hauteur. C'est-à-dire que pour toi, tu dis, mais pourquoi me plaindrais-je? Qu'est-ce qui me manquerait? Parce que avoir un tel Dieu, c'est quand on rentre dans cette dimension-là. Alors vous comprenez, comme tout à l'heure, nous l'avons chanté, effectivement, avec autant d'amour, effectivement, qu'à ce moment-là, c'est ce que je dis toujours, hein, j'ai pris pour... À ce moment-là, chanter Dieu, c'est un souffle pour vous, en fait. Donc je dois le glorifier. Et puis, de toute façon, c'est la chose qu'il faut faire. On sent ça. Donc c'est nécessaire. Il faut qu'on ne compte pas le nombre de temps qu'on prie. Parce que la prière, ça fait... Parce qu'il dit, prier en tout temps. C'est ce qui est écrit quand même. Hein? Et prier en tout temps, en tout lieu, évidemment. Si vous trouvez l'occasion que je suis dans les trams, et j'ai ma main sur la barre comme ça, je regarde les gens, je ferme la tête, mais si je sens que je dois prier, et tout ça, que je m'asseye dans le train, je dois tout le Seigneur, je vais... Parce que tu as besoin d'être le Seigneur en communion en tout temps. On ne sait pas ce qui peut arriver au train. Ah oui, parce que pendant que je suis avec lui en communion, il me gardera, pardonnez-moi, il me gardera effectivement ainsi. Il va. Parce qu'on veut toujours être... Quand on est comme ça, on ne pourra pas être dans les endroits qu'il ne faut pas aller. On ne pourra pas chercher à s'asseoir avec des gens qu'il ne faut pas s'asseoir avec. Et l'homme... Hein? C'est pas cette idée des gens, parce que pour quelle raison? Parce qu'effectivement, alors considérez en fait comme si, quand vous êtes dans un jeûne, je pense que vous vous gênez quand même. Bon, je ne vous demande pas ça. Quand vous êtes dans un jeûne, effectivement, il y a des choses que vous ne faites pas. C'est-à-dire qu'effectivement, que même s'asseoir, commencer à parler, blablabla, vous ne voulez pas ces choses-là. Parce que vous dites, non, je suis dans, tu ne dis pas la personne, je suis un jeûne, mais tu dis, moi, Seigneur, mon Dieu, je suis dans consécration, je ne vais pas à autre chose, mais je vais seulement toi et à l'intérieur. Alors, mais quand vous sortez dessus des jeûnes, que ce soit une habitude pour vous. Vous sentirez que votre intérieur, toujours, va rester toujours dans une sorte, quand quelque chose, la crainte vient, parce que je veux que ça reste comme ça. Il faut que l'intérieur soit préservé. Pour quelle raison? Parce que vous êtes des vases. Dieu, notre Seigneur, peut vous utiliser à tout moment. Alors, quand on parle comme ça, utiliser, on pense que c'est vraiment que des frères. Non, vous, sœurs. Vous, sœurs. À tout moment, Dieu peut vous utiliser pour ceci. Nous avons déjà rendu les témoignages ici, non? Bien sûr que oui. Quand vous êtes quelque part comme ça, le Seigneur vous parle, il faut que vous priez pour ça. Et ceci et cela, cela. Oui, sœurs. Donc, pour cela, il faut que... C'est quand vous priez beaucoup... que maintenant Dieu peut vous utiliser, parce que c'est un canard. Bon, les apôtres donc prient. Alors il dit, il y avait un homme boiteux de naissance, oui, on va lire et puis on va prier, qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda aussi l'aumône. Pierre et Jean ne savaient pas que cet homme était là, probablement qu'il passait. Ils ne pouvaient pas imaginer que ce jour-là, quelque chose allait se passer, en fait. C'est comme ça que le Seigneur conduit ses enfants.
C'est quand nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. C'est toujours important, ça. C'est vraiment quelque chose de bien. Parce que le Seigneur, parce que le Seigneur, quand il doit faire quelque chose, il faut qu'il le fasse au travers de quelqu'un. C'est, cette personne-là, c'est bien vous. Bien sûr, c'est nécessaire. C'est absolument important que nous puissions comprendre que nous devons être dans une disposition telle que Dieu nous utilise. Donc, on comprend qu'il ne faut pas qu'on soit dans les conditions de quelqu'un. Parce qu'à ce moment-là, quand tu es en train de quereller ou de parler avec gens avec violence, mais de tout ça, Dieu ne peut pas être là. Donc, on doit toujours être dans une position où nous sentons qu'il y a la crainte de Dieu et que Dieu nous saisit aussi dans cela aussi. Donc, nous comprenons que c'est quelque chose de très important. Alors, ici, il nous dit... Il dit, cet homme voyant Pierre et Jean dans la main, Pierre de même que Jean fixa donc les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent donc fermes. Vous savez, la prière de la foi ne demande pas qu'effectivement qu'on puisse voir. Dieu peut donner des visions, effectivement, aussi, mais ce n'est pas ça que Dieu a recommandé aux croyants, effectivement, qu'il faut avoir des visions pour croire. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'ici, on ne nous a pas dit que Pierre, il était avant de pouvoir parler à cet homme-là, il a d'abord vu la vision que les pieds de cet homme-là s'est renfermé comme ça. Non, non, non. C'est ça la puissance de la foi, en fait. Oui, 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 oui. Et cet homme était tellement sûr, parce qu'il a senti, parce qu'il était tellement rempli du Saint-Esprit que l'Esprit l'a conduit à pouvoir dire des paroles qu'il ne pouvait pas, peut-être pas bien contrôler lui-même. Comme les Saintes Écritures nous le montrent effectivement dans beaucoup de circonstances. Donc il a eu à pouvoir prononcer la parole de la foi parce qu'il était rempli. C'est quelque chose de très important. Donc alors qu'est-ce qui se passe effectivement? Quand la foi, comme on dit effectivement aussi, c'est une révélation, vous sentez que là vous êtes dans une dimension où tout est possible. Vous ne pouvez pas vous y faire entrer vous-même, en fait. C'est la manière dont Dieu lui-même agit maintenant avec vous, parce que vous êtes tellement consacré à Dieu. Alors, il vous donne une puissance que vous vous sentez poussé à pouvoir dire quelque chose. Et vous dites une parole que vous ne contrôlez même pas vous-même. C'est à ce moment-là que le Seigneur lui-même dit. Parce que quand il, parce que humainement parlant, si on réfléchit, on regarde un homme qui est boité de naissance, tu ne peux pas lui dire que pendant qu'il lève, toi, il marche quand même. Parce que je dis, bon, que Dieu te bénisse, va à la maison. Tout ça, on peut dire humainement dans la logique. Mais maintenant, dire cela que lève-toi et marche, sachant que depuis sa naissance, il n'a jamais marché, tu devais être sûr et certain qu'il y avait quelque chose au-dedans de toi. D'ailleurs, pour que nous comprenions, il nous l'a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Donc, il était sûr et certain qu'il avait quelque chose. Donc, il possédait la chose en question. Alors, qu'est-ce qu'il possédait? C'est ça, en fait, que nous devons arriver à pouvoir aussi comprendre cela aussi. C'est ça, ça doit être l'objectif, le motif de tout un chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Vraiment le posséder, non pas en partie, parce que souvent nous pensons que nous le possédons, lui donnons pas tout en fait. Il y a une partie qui reste à nous, c'est pour ça qu'on peut insulter quelqu'un. C'est pour ça qu'on peut, parce que cette partie-là, Dieu ne l'a pas occupée. Je peux parler du mal, je peux me plaindre, je peux dire tout ce qu'il y a, tout ce qui peut venir dans ma tête, dire là, c'est que t'es plus battue. Je peux me permettre de beaucoup de choses parce que cette partie-là, je ne l'ai pas donnée au Seigneur. Amen. Donc il n'y a qu'une partie que le Seigneur. Parce que le Seigneur ne s'oblige pas à voir, il prend tout chez toi. Non, tu chantes, oui, il prend tout, Seigneur. C'est comme un frère, j'entendais, il disait, mais pardonne-moi, mais je ne vais pas donner cet exemple. Enfin, bon, bref. Que Dieu me pardonne, je ne vais même pas y penser pour pouvoir dire cela. Mais quand on dit, oui, prends tout, Seigneur, mais on ne lui donne pas tout, en fait.
C'est merveilleux. Et si on doit être sincère, c'est comme ça que, bon, entre vous et Dieu, hein, et il faut être sincère que vraiment, Seigneur, vraiment, je donne pas tout. Et c'est que je te demande grâce à ce que, souvent, j'ai dit, je te donne tout, mais j'ai encore mon caractère qui est islam, j'ai encore quelque chose que j'aime bien, qui fait de moi que je suis comme ça, et puis si on me bouge un peu, je sens cette colère-là qui vient toujours, je ne t'ai pas tout donné. Parce que si tu as tout donné, tu es quelqu'un qui est mort. J'aime beaucoup, quand je regarde le Seigneur, vous savez, c'est très touchant. Il a une douceur, c'est ça qu'il veut dans chacun de nous, en fait. Dès qu'on dit qu'un jurier n'ira des points d'un jour, je dis, c'est... Vous savez, il nous arrive, nous, hein, et on nous dit quelque chose, il peut être fait de menace, on s'intervient dans son subconscient, il dit, en tout cas, puis tu dis, ah bon. Mais lui, on faisait tout ça, mais il ne faisait même pas point de menace à quelqu'un. Mais nous, il nous arrive effectivement dans cela. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est ce qu'il veut. Et c'est, mais lui, ce n'était pas comme ça. Il était toujours, on a fait ça, il était toujours tendre et doux, effectivement. Et dans les épreuves, on l'a frappé, il ne se plaignait jamais. Mais parce qu'il savait qu'il était ce qu'il en était, effectivement. Aussi avec. Donc, ça veut dire que donner tout au Seigneur, il faut vraiment que nous puissions d'abord nous mettre beaucoup à genoux, beaucoup confesser, beaucoup prier, beaucoup jeûner. Oui, mon frère et ma soeur. Quand vous dites, ah, oui, prends tout ça, là, vous ne lui donnez pas tout, dites, mais, oui, prends tout, Seigneur, prends un tout petit peu, mais les restants, ah, parce que j'ai encore ceci, il me dit, oui, c'est un intérieur. Mais quand tu te mets à prier, à jeûner, à chercher sa face, parce que tu le veux, effectivement, tu vas remarquer qu'effectivement, qu'il y a des zones qui sont dedans de toi, que tu n'as pas donné au Seigneur, que là, dans la prière, tu dis, Seigneur, parce qu'il va tellement venir en toi avec amour, vous sentez son amour, et vous voulez lui abandonner tout, en fait. Parce que rien qu'en te rappelant ce qu'il a fait pour toi, tu te souviens de cela dans mon état. Comment peux-tu lui refuser de lui donner effectivement tout? Parce que vous savez, donner tout à quelqu'un, c'est pas facile. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, et sincèrement, c'est pas facile, et on sait pas donner tout. Parce que quand tu arrives à donner tout au Seigneur, c'est comme ça que lui aussi descend chez toi tout entier. Ben oui, parce que tu lui as donné tout. Pour ça, dit, mais vous voulez le Saint-Esprit? Eh bien, donnez-lui tout. Amen. Maintenant, lui, maintenant, va prendre toutes les zones, effectivement. Mon caractère, moi, ceci, monsieur Joseph, il dit donne. Parce que ce sont des choses qu'on ne donne pas facilement. Hein. On va encore garder. Il y a des zones qu'on ne veut pas qu'on voit bien cela. Parce qu'on fait tout ça dans les ténèbres. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Mais on ne veut pas aller, on ne peut pas le faire dans le milieu. Il dit, mais alors, dit, Seigneur, prends tout de moi. Alors les choses seront différentes. Il va vraiment contrôler, en fait. C'est comme ça qu'il va commencer aussi. Parce que maintenant, tes yeux, là, seront ses yeux. Ah, vous dites que... Je vais vous donner un témoignage. Un jour, et ce frère existe encore, le frère Michel, je pense, quand a été venu dans mon bureau, il était assis là. Il avait un problème, effectivement, il avait des choses à dire. Et puis, alors, il me parlait, c'était vraiment une situation. Il parlait, effectivement, je pense qu'il doit se souvenir, parce que souvent, on nous écoute. Alors, j'étais assis, j'étais simplement en train de pouvoir le regarder, et je commençais à pouvoir lui parler. Moi, j'étais un homme. Et quand je lui parlais, et puis je priais pour lui, il s'est levé, il a sauté, parce qu'il était tellement touché, il dit... Quelque chose s'est passé pendant que j'étais dans le bureau du frère. Moi, je ne savais pas. Il dit, je lui parlais, puis en certain moment, le frère a commencé à me regarder. Je regardais les yeux du frère, ce n'étaient plus ses yeux. C'était des yeux qui étaient tellement... Et la personne te regarde, effectivement, il y avait tellement une tendresse. Et tout ce que j'avais en moi, c'était différent. Et il a prié pour moi, et le Seigneur a accordé la grâce. C'est-à-dire que, c'est pour dire que, toi aussi, ma soeur, mon frère, c'est-à-dire que ce que Dieu veut, c'est qu'il prenne possession de toi et que quand tu regardes, que ce soit Dieu qui regarde. Ça veut dire que tu n'as plus les yeux de jugement pour pouvoir dire rien que par la façon de voir, de regarder quelqu'un. Oui, quand je vois, il a fait comme ça, c'est cela. C'est pour ça qu'il dit toujours que nul en son cas ne pense du mal contre son prochain.
Les gestes qu'un frère peut poser sur toi, et maintenant que tu l'interprètes effectivement, ou que tu vois tel frère comme ceci, là, on l'interprète effectivement. C'est pas le regard de Dieu, en fait. C'est son regard, en fait, qui porte un jugement, effectivement. Alors, quand c'est le regard de Dieu, ça change dans la personne. Vous voyez que, il y a cette tendresse que vous avez, que humainement parlant, vous n'avez pas. Mais parce que Dieu, effectivement, prend le contrôle. C'est comme cela qu'il nous dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Parce que c'est lui qui vient à nous, qui nous met cet amour, effectivement. Alors cet amour se communique, hein, et avec l'autre, effectivement, aussi. Et ça, ça fait qu'effectivement, que nous avons tous Dieu, effectivement, au-dedans de nous. C'est la raison pour laquelle il met qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Alors si nous sommes un, comment veux-tu que je puisse arriver à pouvoir critiquer mon frère? Si mon frère est dans la difficulté, c'est moi aussi. Si ma sœur est dans la difficulté, c'est moi aussi. Et comme il aime bien le dire, c'est toi que je m'adresse. Comme il aime bien le dire, les enfants de nos enfants sont donc nos enfants. C'est ça, non? C'est-à-dire que l'enfant de ta sœur est aussi ton enfant. Quand l'enfant de ta sœur n'est pas bien, ta sœur n'est pas bien, tu souffres aussi. C'est pour ça qu'on ne doit pas critiquer les enfants de nous autres, même s'ils sont tombés dans quoi que ce soit. Parce que cet enfant-là qui est tombé, c'est aussi le tien. Quand on parlera du bien de cet enfant, l'enfant de ta sœur à l'école, c'est aussi ton bien à toi. Parce que quand on va te voir, ah, c'est les frères de la sœur, ah, votre fille là, votre enfant là, alors tu te sens bien. Disons comme ça. Alors, ici, il dit, au verset suivant, d'un saut, verset 8, il dit, il fut donc debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Alors, vous voyez maintenant ce que nous disons tout à l'heure, effectivement. Donc, tout le monde, ça veut dire, quand on dit tout le monde le vit, c'est que tout le monde là le voyait important. C'est ça. Amen. Oui, parce que Dieu a fait cela pour un but. Donc un témoignage que Dieu voulait rendre qu'il est le Dieu, parce que tout le monde voyait qu'il est impossible ici, personne ne peut le faire effectivement aussi, malgré qu'il allait prier effectivement, il n'avait même pas que ce Dieu d'Abraham existait encore, il avait la capacité, mais ce jour-là, il a voulu prouver que j'existe encore, que j'ai la même puissance, hein, effectivement aussi. Et quand on dit, mais tout le monde l'a vu, effectivement, d'un saut, il fut donc debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait, voilà, que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple. Voilà, ils ont reconnu. Hein. Donc c'est-à-dire qu'ils le voyaient tout le temps, hein, les mendiants. Dieu avait voulu qu'il soit là. Ou que ça soit un témoignage pour sa propre gloire. Alors il dit ceci, oh, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement. Ça, c'est ce que Dieu voulait aussi. Et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Parce qu'il dit, mais aucun homme ne peut faire ça. Non, c'est pas possible. L'homme ne peut pas le faire parce qu'on le connaît. Et puis il dit, et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon. Donc, comme il était attaché là, il était reconnaissant. C'est souvent ça, vraiment, que beaucoup de frères et sœurs sont morts. Quand on a prié pour vous, alors on doit être reconnaissant. Ça va dire, ah, parce que souvent quand on a prié, on dit oui, et puis au départ, parce que je l'avais déjà dit une fois, c'est demain, on voit les frères et sœurs qui vont là prier pour toi, le Seigneur, il y a des petits biens, oui, vraiment, Dieu est bon, et quand j'ai eu à pouvoir aussi prier longtemps, oui, c'est bon de prier, mais quand même, reconnais que ton cas à toi, on a dû prier ici. Alors, être reconnaissant, c'est l'humilité simplement. Savoir simplement être humilité, et l'humilité, c'est aussi la reconnaissance. Mais une reconnaissance, on dit, bon, frère et sœur, vraiment, oui, que Dieu vous bénisse, merci d'avoir prié pour moi, comme vous voyez, Dieu a eu à pouvoir agir, et j'ai prié aussi beaucoup, beaucoup. Ça veut dire que tu n'as pas eu à pouvoir reconnaître que les frères et sœurs ont prié. On sait que tu as prié, mais tu as demandé qu'on prie pour toi aussi, c'est la requête, tout le monde a prié. Donc, dans l'humilité, dit Seigneur, merci, parce que mes frères et mes sœurs ont prié. Je viens. Vous vous souvenez, juste simplement pour vous donner un exemple. Notre sœur ici, Tabitha, qui est en France. Quand la sœur Tabitha a eu à pouvoir pécher, frères et sœurs, la manière dont cette sœur-là s'est repentie,
Et s'est mise à, là, elle était sincère. Qui pouvait ne pas lui pardonner? Mais s'il venait, bon, frère et soeur, alléluia, pardonnez-moi parce que vraiment ça arrive à tout le monde. Hein. Vous pouvez comprendre que j'ai quand même, alléluia, gloire à Dieu. Et ainsi, et puis, qui allait vraiment pardonner? Mais on a vu, avec, on sentait que vraiment c'était vraiment un cœur brisé. Et s'est mise là, et pleurait, mais pas vraiment pour inventer, mais vraiment pour demander pardon à l'assemblée. Vous voyez, ça touchait vraiment le cœur de tout le monde et qui pouvait arriver à pouvoir résister à cela. Alors tout le monde a en tout cas pardon. Aujourd'hui, il est bien, il se sent libre parce que ses frères et sœurs l'ont pardonné. C'est ça la simplicité des brisements. L'orgueil est la chose de mauvaise. Et ça, même petit comme ça, Satan s'y accroche là-dedans. Mais quand l'humilité est là, Dieu est là. Vous voyez la différence, effectivement. Donc, c'est-à-dire que savoir être reconnaissant. Donc, l'homme était là. Il ne quittait plus. Il a dit, mais parce qu'il a remarqué qu'il y avait quelque chose de grand dans ces personnes-là. Il dit, mais ils ont quelque chose, effectivement, parce que je suis né comme ça. C'est comme ça que le peuple qui avait remarqué cela, parce que, regardez très bien, Dieu est vraiment merveilleux dans sa façon de faire. Nous devons le connaître, frères et sœurs. Est-ce qu'il veut nous... Et voilà que cet homme s'accrochait à eux. Et puis, le peuple, maintenant, commençait à comprendre. Mais quand même, s'il a marché, c'est que ces hommes ici ont eu à voir faire quelque chose. Parce que l'homme était attaché, reconnaissant. Il dit, mais si vous n'étiez pas là, je mourrais en tant qu'impotent, j'étais mendiant, je ne vais plus rien faire. Dieu l'a donné plus que cela. Vous comprenez, non? Alors maintenant, regardez comment ça s'est passé, effectivement, dans les véritables hommes. Ce n'est pas parce que, bon, ils ont dit, bon, on va faire ceci pour moi, comme on voit qu'on est humble. Non! Cette humilité est un nœud, en fait. Parce qu'il y a ces dons que Dieu a placés en eux qui s'existent effectivement. Alors, évidemment, ça marche avec cela. Parce que si Dieu est là, est en vous, il n'y a rien qui peut vous faire bomber la poitrine que moi je suis. Non, non, c'est que quelque part il y a une folie. C'est qui veut dire que ce n'est pas Dieu. C'est quelque chose qui... Alors, regardez très bien la réaction de Pierre. Verset 12. Pierre, voyant cela, parce que le peuple est venu, non? Dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur... Voilà. Et il pouvait se mettre à dire, voilà, vous voyez que nous avons ceci, là, vous comprenez? Mais il dit, mais pourquoi avez-vous le regard fixé sur... Parce qu'ils ont vu que ce monsieur-là, qui était donc, vous me suivez, qui était important, là, qui était des gens, le suivait parce qu'il était reconnaissant. Et puis, eux aussi, ils sont venus vers lui, puis il dit, mais pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Comme si c'était par notre puissance... ou par notre piété, que nous eussions fait marcher cet homme. Et quand Pierre parlait, il était vraiment sincère dans ce qu'il disait. Il dit, mais vous n'avez pas fixé vos regards sur nous, parce que ce n'est pas par notre puissance. Vous voyez où il veut leur conduire? Que Dieu te bénisse. Pas pour que ça, ils soient attirés vers lui, non. Il a dit, mais ce n'est pas ma puissance, parce que moi je ne veux pas marcher un homme. Ah ben oui, et puis moi, je l'ai jamais fait. Et puis il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâcha. Voilà comment l'homme qui aime tant son Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'aime cela, mon frère. Il ramène à ce que le peuple comprenne. Que vous avez fait une fausse route. Dieu a permis cela pour que le peuple puisse avoir les yeux. Vous l'avez renié, vous l'avez crucifié parce que Pilate voulait le relâcher, mais vous ne voulez pas. Voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous que, alléluia, et que monsieur marche petitement, mais c'est Jésus. Amen, amen. Malgré même que vous l'avez crucifié, vous l'avez tué, il continue à faire du bien à vos enfants et à ceux qui sont à vous aussi. Et c'est vrai. Et puis il continue en disant, verset 14, il dit, mais vous avez renié le saint et les justes. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. J'aime ces hommes, frères.
Ah, quand Dieu donne cela, il donne le boldness. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est-à-dire que cette assurance, effectivement, si vous comprenez ça. Ça veut dire que de pouvoir arriver à pouvoir proclamer encore davantage le Seigneur, parce que c'est lui qui fait les choses. Afin que le peuple, les hommes, peut-être puissent avoir l'attention que c'est vraiment lui et il vit encore. Amen. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, des gens qui veulent être plébiscités parce que bon. Ils vont toujours vous raconter des choses. Ils vous racontent simplement pour que vous puissiez voir qu'ils sont puissants. Ils vont vous donner des témoignages, parfois biscornus, qui sont effectivement un peu tordus, un tout petit peu, je dis un exemple. Parce que vous savez, bon, faut pas penser, non, je dis, je parle, enfin, c'est bon, non, quand vous rendez témoignages, c'est bon, il ne faut pas que vous maintenant quand vous êtes tordus. Non. Je dis, vous voyez, je voyage beaucoup. Et j'ai rencontré des gens aussi. Les prédicateurs aussi, ils viennent toujours, mais c'est pas comme vous avez besoin. C'est un exemple que je donne, effectivement. Les gens, ils viennent vous rendre des témoignages, vous écouter. Mais ils ne se rendent pas compte que le Seigneur vous fait ça. C'est souvent ça le problème que j'ai toujours eu à pouvoir dire. Il dit, on regarde la personne, il vous rend son témoignage. Et ce que moi, j'écoute, c'est les témoignages, mais en fait, je n'écoute pas vraiment ça, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Quand tu veux le faire, pourquoi tu le fais? Quelle est l'intention? Tu cherches quoi, effectivement? Parce que dans tout ce que nous faisons, que même si Dieu a fait des grandes choses au travers de nous, mais comme nous le voyons, ce n'est pas pour que les flashs soient sur nous. Mais les flashs soient sur lui. Parce que c'est quand même toujours lui qui fait. Peu importe ce qu'on peut imaginer, mais c'est quand même lui qui fait. Il faut qu'il trouve un vase dans lequel il doit faire. Mais les vases ne font rien, mais c'est parce que c'est lui qui a les vases, il utilise les vases. Donc il faut que... C'est pour ça que même quand on fait quelque chose, on ne doit pas chercher à se condamner. On dit qu'on dise que c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Non, si Dieu veut qu'on dise que c'est toi qui as fait cette chose-là, c'est parce que Dieu veut t'honorer aussi. Mais maintenant, si Dieu ne veut pas qu'on puisse le faire parce qu'on dit parce que ça va te faire quelque chose, effectivement, qui va te pousser un peu comme ça, Dieu vous préserve. C'est important. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. La chose, c'est que quand nous faisons... Et maintenant, je vais quand même... Vous me permettez d'avant. Amen. Regardez comment notre maître nous a dit. Il dit, ce que ta main droite fait, ta main gauche n'est pas censée pouvoir savoir. Et pourtant, les mains sont comme ça, non? Vous voyez la profondeur. C'est quand tu fais comme ça, la récompense que tu vas avoir, elle est grande. Mais aujourd'hui, c'est la publicité qu'on veut. Mais quand on fait la publicité, pour toi, tu n'auras pas de récompense devant Dieu. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour que les gens te récompensent aussi. Donc tu n'as pas besoin de la récompense de Dieu. Et que la main droite fait... La main gauche ne peut pas savoir ce que la main gauche fait, la main droite ne peut pas savoir. Est-ce que vous comprenez cela? C'est simple. Bon, nous allons le dire rapidement. Alors, il dit, verset 15, il dit, mais vous avez fait mourir donc le prince de la vie que Dieu a ressuscité de mort, écoutez bien, et nous en sommes témoins. Verset 16, il dit, c'est par la foi, il n'a pas dit, c'est par la foi en Pierre, en moi Pierre, en moi Jean qui l'a fait marcher. Non! Il dit, c'est par la foi en son nom. Il incite encore, dit, mais que son nom, j'aime cela, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Donc c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Que Dieu vous bénisse, ça. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons vraiment te remercier pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais, Seigneur, dans notre vie. Mon âme te loue et te glorifie, Père Dieu. Tu nous enseignes pour que nous puissions apprendre de toi, Père Saint-Dieu, comment marcher. Comment vivre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu? Tu nous instruis, mon sauveur, bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que quand nous pouvons voir les témoignages de ceux qui nous ont précédés, Seigneur Jésus, oh Père Dieu, ceux qui étaient avant nous, mon bien-aimé Père Tébissant, mon âme te loue, Père. Oh, louange et honneur à toi,
de pouvoir avoir eu des hommes comme cela, Père Saint-Dieu. Cela nous instruit encore davantage, mon bien-aimé Père. Et nous comprenons que quand tu es vraiment, vraiment dans un homme, Père Saint-Dieu, dans un frère ou dans une sœur, il y a vraiment une humilité sincère et vraie, Seigneur. Il n'y a rien, Père Tubissant, comme guerre, il n'y a rien comme orgueil, il n'y a rien comme prétention, il n'y a rien comme mauvaise pensée, Seigneur Jésus. Tout est simplement fait pour que tu sois glorifié et aussi élevé, Seigneur. C'est pourquoi tu nous as appelés, Seigneur. C'est pourquoi nous vivons pour toi, mon sauveur. Béni soit ton Saint-Nom pour ce que tu fais. Béni soit ton Saint-Nom pour ta parole à toi, bien-aimé Père Tubissant, qui est réellement notre lumière. Si cette lumière, Père Tubissant, sur notre sentier, mon roi, qui nous permet de pouvoir voir là où nous avons manqué, Père, que ton nom soit béni. Merci parce que tu nous corriges dans beaucoup de choses, mon sauveur, afin que nous puissions être parfaits. Sois béni encore ce soir et sois glorifié pour tout ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, je voudrais donc que nous remercions notre Dieu pour son amour et sa bonté à notre endroit de nous avoir donné la joie d'avoir ce bébé qui s'appelle Johanna. C'est le bébé de notre sœur Déborah Dolé. Hein? Notre frère Eric, que Dieu te bénisse. Alors, sa femme me disait que, papa, mais le problème, c'est quand Eric a pris le bébé est sorti du ventre, le bébé a pleuré, Eric a commencé à pleurer. Alors, on se pose la question, qui pleure? Est-ce le bébé? Est-ce le bébé? Les cris de les cris de pleurs et des bébés, des papas étaient mélangés. Notre Dieu est bon. Les bébés, la maman se portent bien. Le Seigneur soutient et fortifie. Et nous prions pour remercier le Seigneur, aussi pour notre sœur Déborah. C'est merveilleux de voir nos enfants qui deviennent de mères. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Dieu nous aime beaucoup. C'est une grande consolation pour nous. Nous prions pour elle. Nous prions aussi pour son mari et aussi pour le bébé. Que Dieu le garde vraiment en très bonne santé, parce que le bébé est en bonne santé. Nous prions aussi. Alors, vous aurez l'occasion de pouvoir aller le voir aussi à l'hôpital, mais prenez un peu le temps parce qu'il doit quand même récupérer en paix. Mais nous allons remercier le Seigneur. Tendre Père et précieux Sauveur, tu es vraiment notre Dieu et tu es vraiment notre Roi pour ce que tu as fait pour nous, mon Sauveur. D'avoir donné cet enfant à notre précieux frère et nous te remercions vraiment à notre sœur. On peut voir la joie de notre précieux frère Eric, Seigneur Jésus. C'est vraiment une grande consolation. Que tu bénisses ta fille, que tu la fortifies, mon roi, qu'elle soit en pleine santé, dans une guérison totale, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, parce qu'elle loue ton nom, elle t'aime, mon roi, c'est ta fille à toi, Père Dieu. Qu'elle soit bénie, Père Saint-Dieu. Merci pour mon précieux frère Eric, mon roi. Louange et honneur à toi pour ses frères, mon Seigneur. Aussi toujours joyeux malgré les combats, les difficultés. Seigneur Jésus, il est toujours heureux, joyeux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour l'amour qu'il a pour sa femme, Seigneur. Louange et honneur à toi. Béni soit ton Seigneur pour Johanna, ce bébé que tu nous as donné, Seigneur. Une grande joie pour nous, une grande consolation, bénémoine Père Tubissant, Dieu. Dans la maison de mon précieux bénémoine Père Tubissant, frère, bénis notre frère modeste, mon Seigneur Jésus. Oh, il est grand-père maintenant. Qu'il soit béni, mon bénémoine Père Tubissant, Dieu. Qu'il soit aussi fortifié, mon roi. Merci parce que tu connais l'amour qu'il a pour sa fille, bénémoine Père Tubissant, Dieu. Louange à toi, merci aussi notre sœur Jeanne, mon bien-aimé Père Dieu, pour la joie qu'elle est aussi, Père Tubissant, d'être grand-mère aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Merci parce que tu es le Dieu et pour toute la famille entière, mon roi. Nous te remercions, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié, remercié, Père, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le bonheur pour nous tous. Hein? Amen. Alors, nous allons aussi prier pour notre précieux frère Trésor de l'Espagne. Et notre frère a eu à pouvoir perdre son père. Il a besoin aussi de notre prière.
et la consolation aussi. Et vous connaissez le frère, il ne parle pas beaucoup. Et nous aimons notre Dieu pour ce qu'il fait, en fait, aussi dans la vie de nos frères et sœurs aussi. Que le Seigneur le soutienne et qu'il le console encore davantage. Nous allons prier pour lui. Notre Père et précieux Sauveur, tu nous réjouis et nous sommes heureux. Et tu as dit aussi pleurer avec ceux qui pleurent, mon roi. Et nous te présentons notre bien-aimé frère Trésor. Seigneur Jésus, c'est là aussi quelque chose qui nous touche beaucoup. Tu connais l'amour de ton enfant, comme les gens, il ne parle pas beaucoup, Seigneur, et il est calme, Père Saint-Dieu, mais le voici qu'il est frappé. Mais nous te prions que tu puisses vraiment le consoler, le fortifier encore davantage, mon roi, et toute sa famille entière, Père Tibissant, parce que c'est un moment difficile. Il est à l'étranger, son papa là-bas en Afrique est resté, qu'il est parti, mon bénévole Père Saint-Dieu. C'est la douleur dans son, cœur, mon bénévole Père Tibissant, parce qu'il voudrait vraiment aimer avoir son père, mon bénévole Père Saint-Dieu. Que tu le bénisses, que tu le consoles, que tu le fortifies. Nous te demandons la grâce, mon bénévole Père Saint-Dieu, pour lui. Console le Père et sois avec lui, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ami, ami, prenez courage. Votre rédempteur vit. C'est un bon merci. Se voyant près de ce Père, c'est un...